Bonjour à tous. Ce matin, c'est une petite vidéo bien simple. Mais c'est quelque chose que je vois souvent, que le monde pense pas quand il me l'apporte. Je le montre quand il me l'apporte ici. Puis je vais vous montrer aussi un petit truc que j'applique pour réparer ces choses-là. J'ai un mélangeur ici KitchenAid, le modèle... voilà. Food processor, y a-t-il un numéro de modèle? Oui. 4K FPM 770 NK0. Vous allez vous souvenir de ça? Excellent mélangeur en passant. Un food processor. C'est excellent. Le problème qui arrive avec ces appareils-là, c'est le mécanisme de plastique ici. Ça part en haut, ça va jusqu'en bas. Tant et aussi longtemps que tout n'est pas installé, il ne fonctionnera pas. Mais là, en ce moment, ce que le monde me l'apporte, en ce moment, si je le fais, le baron, il se passe rien. Si je le bouge, oups, il vient de partir. Le mets off. Là, il fonctionne. Mais si je le bouge, il y a une petite affaire ici, il arrête. C'est bien simple à réparer pour se dépanner. Là, parce que sinon, là, je vois pas d'autre opération que de remplacer le mécanisme ou le bol en entier. Ce qui a comme aucun. Ça a aucun sens. Là, pour enlever tout ça pour que rien tombe. Là. Mais ici, je le vois là. Il commence à être usé sur le bout. Il faut que ça vienne pousser. Quand on tourne la poignée. On met tout le stock ici. Autrement dit, je viens remettre mon couvert. Comme ça. Ça vient faire sortir ce petit bout-là ici. Mais le petit bout, il commence à être usé. Puis en plus, il est lousse. Il y a du jus dedans. Fait que, si on applique juste une pression ici, je le marronne, ça fonctionne. Fait que pour le réparer rapidement, là, prends une petite colle, un petit bout de. Un peu de colle ultra rapide, là. La Crazy Glue, là. La Crazy Glue ici. Je viens m'en mettre une petite goutte ici. Puis je viens mettre un petit morceau de tie wrap, un petit morceau de plastique. Je vais me prendre une attache de plastique, là. Je vais venir me couper un petit morceau de plastique ici. Puis je vais venir le coller à l'intérieur. Ça vient y donner une certaine épaisseur de plus. Et là, quand il va mettre le plat par-dessus, il n'y aura plus aucun problème avec. Fait que, on va y coller ça, puis on va vérifier ça après. Mais ça là, viens chercher ça. Je peux mettre le gros morceau, oui. Ça comme ça. Ça, probablement que ça va faire. Mettre ça off, je vais mettre ça debout, puis je vais aller mettre une petite goutte de colle. Et voilà. Pas besoin de plus que ça. Juste pour dire, mettez-en pas trop, là, faut pas non plus que ça colle tout le mécanisme. Là. Je vais venir prendre ça. Et voilà. Je colle ça là. Bon ben, voilà. Ça a été collé. Je l'ai recollé comme il faut là. Je vais laisser le temps coller, j'ai mis juste une petite épaisseur. Ça va marcher numéro 1. Je mets ça ici. On met ça. Ça n'arrête plus. Bon, ça marche comme il faut. Je l'arrête. Pas plus long que ça. Merci. Bonne journée.